Alors, cette semaine, je vous avais annoncé que je parlerais ce qu'on appelle dans la littérature, dans l'histoire de la littérature québécoise, la littérature migrante, c'est-à-dire les gens qui sont venus d'autres pays pour s'installer au Québec et qui ont commencé à écrire. Je me suis rendu compte en faisant mes recherches au cours de la semaine que c'est quasiment un sujet inépuisable. J'aurais de la matière pour en faire deux ou trois ateliers, tellement il y a de nombreux écrivains qui sont venus d'ailleurs pour faire carrière et lancer leur carrière ici au Québec. Ce n'est pas récent. Bien sûr, à partir des années 70, là, il y a eu, je dirais, une diversification des arrivants, parce qu'avant ces années-là, c'était pratiquement uniquement des francophones qui sont venus au Québec, et quelques Anglais, entre autres des Irlandais. Si on n'avait pas eu les Irlandais, on n'aurait pas eu Émile Nelligan. Son père est arrivé à 8 ans au Québec et il a épousé une bonne petite fille du secteur de Rimouski et ça a donné Nelligan. C'est quand même des beaux mélanges. Alors, on sait que les gens qui sont venus d'ailleurs et qui ont écrit au Québec, ça a toujours eu des effets assez particuliers. Louis Aymon n'a pas été quelqu'un qui a résidé au Québec, mais son passage ici a créé véritablement un onde de choc avec Maria Chapdelaine dans la littérature québécoise. Et c'est un effet qui s'est prolongé comme une vague souterraine, je dirais, pendant pratiquement un siècle. On se souvient de Félix-Antoine Savard et Manomètre Draveur, qui a écrit dans les années 30 une suite, je dirais, une réaction à Maria Chapdelaine et tout ça. Alors, c'est extrêmement important de penser que ces textes-là ont causé énormément de choses. C'était sûr que la France s'intéressait au Québec. Parce que le premier regard que les Français ont eu sur la France, c'est au tout début, à travers les relations des Jésuites. Il ne faut jamais oublier ça. Les Jésuites qui ont exploré à peu près tout le continent, tout le Québec, et qui écrivaient des sortes de journaux de l'époque et qui envoyaient ça en Europe, et c'était publié en Europe, et c'était extrêmement populaire. Très, très populaire. Alors, on suivait ça avec tous les défauts que les relations des Jésuites avaient, parce qu'ils présentaient souvent l'Indien ou l'Amérindien comme une espèce de barbare, et surtout les curés, les soutanes noires, étaient horrifiés devant les mœurs, souvent beaucoup plus permissives des Indiens par rapport à celles très policées de l'Europe. Par exemple, les Jésuites voyait d'un très mauvais œil que pendant la belle saison d'été, ben, les femmes et les hommes indiens souvent se dénudaient beaucoup plus que les francophones. Alors, ça se promenait en tenue légère et les Jésuites étaient horrifiés par ça souvent. Alors, c'était le diable qui était présent. Immédiatement, la conclusion, c'était que c'était des diables. Alors, la présence de l'étranger, même dans la littérature française, a toujours été importante. Pensez à Montesquieu, qui a écrit les lettres persanes, où il imagine deux personnes qui arrivent du Moyen-Orient et qui regardent la société française et qui disent tous les défauts que la société française peut avoir. Alors, c'est un bon moyen de faire dire, de dire ce qu'on pense de la société française en passant par le biais d'un étranger. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme ça des courts séjours au Québec, qui ont écrit sur le Québec. Je vous donne l'exemple d'Henry David Thoreau, l'Américain, le contestataire, celui qui avait refusé de payer ses impôts parce que les États-Unis étaient en guerre contre le Mexique. Alors, si les Américains refusaient aujourd'hui de payer des impôts parce qu'ils sont en guerre contre un pays, il n'y aurait pas grand monde qui paye des impôts aux États-Unis. Alors, il est venu faire un voyage, Thoreau, dans les années 1850 au Québec. Et c'était un quelqu'un, bien sûr, qu'on connaît parce qu'il a vécu un petit peu retiré dans les bois. Il a écrit un livre qui a fait un grand succès, c'est « La vie dans les bois ». Mais c'était surtout un très grand marcheur, quelqu'un qui faisait des randonnées. Et il est venu au Québec avec un groupe pour faire une randonnée pédestre et il s'est rendu jusqu'aux chutes Montmorency. Et il a écrit dans son livre qui s'intitulait « Le voyage d'un Yankee au Canada », parce qu'on ne faisait pas beaucoup en 1850 la différence entre le Canada et le Québec. Il a écrit son voyage, il raconte son voyage véritablement, et ce qui l'a frappé quand il est passé à Québec, c'est la présence des militaires et des curés.
Je ne sais pas pourquoi, mais ça l'a frappé beaucoup en voyant ça, et ça symbolisait surtout chez lui quelque chose qu'il détestait par-dessus tout, c'était la présence militariste qu'il y avait à Québec. Puis on le sait, bien, Québec était une ville d'occupation avec la citadelle, la présence des militaires anglophones était très, très importante à ce moment-là. Alexis Tocqueville aussi a fait des grands voyages en Amérique et il est venu au Québec. Alors, il a écrit beaucoup sur la démocratie et lui aussi, son constat quand il est passé au Québec, c'était la présence des religieux. Il est passé en 1831 et Québec était, semble-t-il, habité par des soutanes. C'est assez spécial. Et dans les années 50, vous avez quelqu'un qui avait des mœurs très ouvertes, Henry Miller, a fait un court séjour dans la ville de Québec, et même dans les années 50, c'est ce qu'il écrit dans un de ses livres, il y a un paragraphe qui dit « Il y a seulement des curés et des religieuses à Québec. » Alors, c'était pas tout à fait quelque chose qui lui plaisait particulièrement. Alors, il y a d'autres francophones, d'autres Français qui sont venus s'installer au Québec pour vraiment y vivre. C'est... Eugène Achard, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet écrivain-là. Eugène Achard, né en Provence et qui migre au Québec en 1903. Alors, il faisait partie en France, il a étudié, il est devenu frère mariste, une communauté religieuse qu'on connaît très, très bien au Québec. Et au début des années 1900, la présence des communautés religieuses en France était très mal vu, pour ne pas dire très découragé par les gouvernements et les intervenants. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de communautés religieuses qui ont migré au Québec pour venir enseigner. Les frères maristes étaient des frères enseignants. C'est ceux que j'ai fréquentés dans ma jeunesse quand je suis allé faire mon école secondaire. C'était des frères maristes qui nous enseignaient à Saint-Félicien. Alors, Eugène Achard arrive ici en 1900. Il s'intègre très rapidement aux écoles et il enseigne. Et ce qui est curieux, c'est à l'époque où Louis Aymon passe en 1917 au Québec, lui, il retourne en Italie pour faire des études religieuses et en France pour étudier la littérature et il revient au Québec. Et quand il revient au Québec, ben, il attrape la grippe espagnole. Ça, c'est quelque chose un peu dans l'imaginaire des Québécois. La grippe espagnole aurait fait des centaines de victimes et tout ça. Alors, le pauvre monsieur Achard en réchappe, mais malheureusement, il est complètement sourd après cette maladie-là. Alors, il ne peut plus enseigner. Et c'est là qu'il décide de devenir écrivain. Mais comme la communauté religieuse n'aimait pas tellement l'idée qu'il devienne écrivain et tout ça, ça fait qu'il a eu la permission de sortir de la communauté religieuse. Il s'est marié et puis là, il a commencé à écrire des livres. C'était quelqu'un, je dirais, c'est l'inventeur, si on veut, au Québec, de la littérature jeunesse. Alors, étant donné qu'il connaissait très bien le système d'éducation au Québec qui était dirigé par des religieux, il savait exactement quoi écrire pour que ses livres soient enseigné et donné dans les écoles. Alors, il est devenu extrêmement populaire comme ça parce qu'il écrivait des livres à caractère historique, un peu, des contes, des légendes qu'il inventait et qui étaient distribués dans à peu près toutes les écoles du Québec et même du Manitoba à ce moment-là, tout ce qu'on pourrait appeler le Canada francophone. Alors, c'était très important et les tirages étaient quelque chose qui ferait envie à tous les écrivains de maintenant, parce que tous ces livres se vendaient à peu près à plus de 100 000 exemplaires. C'était quelque chose de formidable. Et Eugène Achard avait beau avoir été un frère mariste, il avait le sens des affaires et il était un bonhomme assez ratoureux. Parce qu'après un an ou deux, ces livres, ben là, les écoles disaient, ben on l'a acheté ton livre, donc on ne le reprendra pas. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il écrivait un petit chapitre au début ou à la fin, puis il changeait de couverture, il changeait de titre et il refilait le même livre. Alors, il a fait ça à de nombreuses, nombreuses reprises. Ça, semblerait-il qu'il aurait écrit environ 80 volumes, ce qui est énorme. Mais dans les recensions, avec tous les titres, il y en aura au-delà de 150. Alors, il a recyclé pas mal ses livres. Remarquez que Denis Laferrière refait la même chose.
Il a réécrit ses livres et il les repasse, mais avec le même titre. Alors, Eugène Achard a été intéressant pour ça parce que, c'est un bonhomme qui a fondé une maison d'édition, il faisait tout lui-même, c'est un phénomène, vraiment. Il se auto-éditait, il se corrigeait, il se distribuait, il imprimait, il faisait tout. Et puis, il a apporté des aspects assez intéressants dans la littérature des jeunes, c'est la présence de l'Amérindien. Avant Eugène Achard, avant 1900, l'Indien était toujours associé aux mauvais qui avaient torturé les formeux, les prêtres qui partaient en mission. On se souvient du curé Brébeuf, le père Lallemand et tout ça qui avait été torturé. Alors, c'était l'image qu'on avait beaucoup dans la littérature de l'époque de l'Indien. Tandis que lui est arrivé et il a fait de l'Indien quelqu'un d'enviable dans un sens. Il a écrit des récits et des contes qui se déroulaient avant la présence des Blancs en Amérique, où ces populations-là vivaient dans une sorte de paradis terrestre ou quelque chose comme ça, ou qui ressemblait à ça. Donc, il a redoré beaucoup l'image de l'Indien dans sa littérature. Alors, c'était un apport extrêmement important. Et ça m'a fait penser, c'est drôle qu'un Français qui arrive comme ça soit très sensible, je dirais, à la situation des Amérindiens. Et à partir des années 50, par exemple, vous avez un cinéaste comme Arthur Lamothe, qui était aussi quelqu'un qui venait de Provence, qui est venu travailler au Québec et qui a fait toute une série de films sur les Indiens de la Côte-Nord. Il a travaillé avec Rémi Savard, qui est un anthropologue qui a passé sa vie dans le Nord. Et il était très sensible à ça. Il a fait des films extraordinaires qu'on peut encore voir. C'est des documentaires sur la vie des Indiens de l'époque. Et si on n'avait pas eu Arthur Lamothe, bien, il y a toute cette imagerie-là, ce témoignage-là qu'on aurait perdu. Alors, vous voyez des fois que la migration, ça peut nous apporter des choses extrêmement intéressantes. Il y a un cas assez particulier. J'ai pas pu résister à l'envie de vous en parler. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est Marie Lefranc, qui est une écrivaine née en France, bien sûr, et qui a étudié pour devenir enseignante dans son pays et qui n'avait pas nécessairement envie de migrer au Québec. Et comme par hasard, elle a commencé une correspondance avec un journaliste du Québec qui s'appelait à ce moment-là Arsène Bessette, qui était rédacteur en chef du journal Le Canadien-Français. Grande correspondance, échange de lettres, avec tout le temps que ça peut prendre quand les lettres voyagent par bateau et tout ça. Et Bessette trouvait que cette Madame Lefranc-là était tellement formidable qu'il l'a demandé en mariage par correspondance. Alors, Madame Lefranc a hésité un petit peu, puis elle a décidé de venir rejoindre son promis au Québec. Alors, elle a pris le bateau, elle est débarquée à New York, comme ça se faisait beaucoup à cette époque-là. Puis après ça, elle a voyagé, et quand elle est arrivée à Montréal, elle était, disons, très fatiguée et en piteux état, les vêtements froissés et tout ça. Et M. Bessette, l'amoureux transi, a été extraordinairement rafraîchi devant Marie Lefranc. Et les relations sont arrêtées là. La promesse de mariage a été retirée. Cette pauvre Mme Lefranc est restée sans ressources au Québec, complètement démunie. Elle a presque vécu dans les premières semaines de la charité publique. Puis elle a réussi à se trouver un poste d'enseignant parce qu'elle était enseignante. Et elle s'est quand même assez bien établie au Québec et elle est devenue quelqu'un d'important et elle a commencé à écrire sur le Québec. Alors, puis c'est une très bonne écrivaine. Alors, elle a écrit un livre qui s'appelait « Grand Louis l'innocent ». Je ne sais pas si elle faisait allusion à son Bessette en question. En 1937, elle a gagné le prix Fémina avec ce livre-là. Et elle a écrit aussi un livre extrêmement intéressant qui est encore très bon à lire, qui s'intitule « La rivière solitaire ». Elle a fait un périple assez particulier, c'est qu'elle est partie
avec un groupe de colons de la région d'Ottawa qui sont allés s'installer dans le Témiscamingue, à l'endroit qui s'appelle la rivière Solitaire. Alors, elle les a accompagnés pendant tout ce parcours-là. Elle les a suivis, elle a vu toutes les difficultés qu'ils affrontaient quand ils arrivaient sur des terres de colonisation et tout ça. Alors, ça a donné un roman, La rivière solitaire, qui est assez intéressant comme témoignage. Ce qui est assez drôle, c'est que Gabrielle Roy, à peu près à la même époque, a fait la même chose. Elle est partie avec un groupe du Nouveau-Brunswick qui s'est déplacé en train jusqu'en Abitibi et elle les a suivis pendant plusieurs jours, des semaines, et ça l'a donné des reportages assez extraordinaires dans la terre de chez nous à l'époque. Alors, Gabrielle Roy a fait à peu près la même chose. La présence des migrants français a eu son importance, je dirais, plus que cruciale, c'est qu'elle a un petit peu et beaucoup influencé et changé la littérature. Aimon a secoué, si on appelle la littérature du terroir. Eugène Achard a apporté la présence de l'Indien. Il a fondé quand même une sorte de littérature jeunesse. Alors, ça a toujours donné quelque chose de vraiment intéressant dans notre corpus littéraire. Vous avez remarqué aussi, pendant tous ces ateliers-là, bien, j'ai pas parlé beaucoup des poètes québécois. Mais il y a des grands poètes québécois. J'ai parlé des Néligans en ouverture. Bien sûr, alors Néligan est le fils d'un migrant. Alors, David Néligan, son père, est un Irlandais qui est arrivé ici au Québec il y avait 8 ans à peu près. Alors, c'est quelqu'un qui a fait son chemin très rapidement, peut-être plus rapidement que les francophones, parce qu'il possédait la langue anglophone. Alors, il est devenu à l'aise, David Néligan, très, très rapidement. Et le jeune Émile a vécu dans l'aisance quand même. Alors, il y avait un appartement au Carré Saint-Louis à Montréal, qui est devenu la maison des écrivains, pratiquement. Et puis, il y avait la grande maison d'été à Kakuna aussi. Alors, on migrait sur le bord du Saint-Laurent, dans des endroits de villégiature pendant l'été. C'était essentiellement comme un Métis Beach qu'on appelait. C'était des lieux où les anglophones se regroupaient pour l'été. C'était vraiment des enclaves anglophones dans un milieu très, très francophone. Alors, il y a eu Néligan, bien sûr, que c'est à lire. Là, c'est des classiques. Hein. On connaît, c'est vraiment un de nos classiques, Émile Néligan, le poète. Bien sûr, vous allez reconnaître les influences de Baudelaire, vous allez reconnaître les influences de Rimbaud et tout ça, mais ça reste intéressant à lire pour l'époque. Il y a eu aussi un monsieur que vous connaissez sans doute, c'est Christian Mistral qui a écrit un livre assez intéressant qui se nomme « Coco, Léon et Mulligan ». Mulligan, c'est un jeu de mots avec « Mulligan ». Et il a imaginé que Émile Néligan n'a jamais été interné, mais qu'il vivait à Montréal, un peu en secret, en clandestin, qu'il recevait des chèques mystérieusement chaque 6 mois, puis c'était des droits d'auteur de ses livres qui sont vendus à des centaines et des centaines d'exemplaires. Alors, il a fantasmé sur Émile Néligan en lui donnant une vie qu'il n'a pas eue, parce qu'on le sait malheureusement qu'il a fini dans un internat pendant une grande... grande, grande partie de sa vie. Il a été interné, il n'avait même pas 20 ans, et il est décédé en 41. Alors, imaginez-vous, il est né en 1878, si je me souviens bien. Alors, il a passé pratiquement 40 ans de sa vie interné dans un hôpital psychiatrique. Est-ce que vous avez entendu parler d'un livre qu'une prof d'université aurait écrit l'an passé? Et elle dit que Néligan n'est pas l'auteur. Oui, ben ça, c'est... Ouais, mais c'est plausible. C'est plausible parce qu'il a été très, très ami avec quelqu'un qui s'appelle Louis Dantin, oui, qui, lui, était extrêmement prêtre, qui était très lettré, qui avait peut-être des orientations sexuelles qui faisaient qu'il aimait Néligan plus que ses poèmes, en fait. Mais... semblerait-il qu'il a beaucoup influencé Néligan et qu'il aurait retravaillé les textes avec lui ou sans son consentement, mais c'est lui, en tout cas, de toute manière, qui a travaillé et qui a permis l'édition des poèmes de Néligan. Est-ce qu'il a intervenu sur les textes?
C'est une hypothèse, c'est fort possible. Mais elle a écrit une grosse thèse, là. Je l'ai rencontrée, madame, parce que curieusement, elle a reçu le prix de l'Académie des lettres en même temps que moi l'an passé. Alors, on a eu le temps de discuter un petit peu. Il semblerait que c'est passionnant à lire, mais je ne l'ai pas lu encore. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Il y avait une main, je pense. Non? Non. Alors, voilà. Alors, est-ce que c'est Néligant qui l'a écrit vraiment ou c'est Dantin? Ça, je pense que c'est une bataille de spécialistes, là. L'important, c'est d'avoir les poèmes et de pouvoir les lire. Vous pouvez aussi lire Saint-Denis Garneau. Saint-Denis Garneau aussi, qui est un poète qui a eu une influence, une importance assez incroyable au Québec et qu'on redécouvre et qu'on reprend continuellement. On a fait des chansons avec ses textes. Alors, « Regards et jeux dans l'espace », qui est paru en 1937, est un classique. C'est un livre qui a été publié à compte d'auteur. Et ce qui est intéressant, c'est que Saint-Denis Garneau a passé toute sa jeunesse et son enfance avec sa cousine Anne Hébert. Alors, on a fantasmé beaucoup qu'il y aurait eu des histoires d'amour entre les deux cousins. Je ne sais pas, j'étais pas là. Alors, à partir des années 70, bien sûr, la migration ou ceux qui viennent s'installer au Québec a changé complètement, parce que là, c'est l'ouverture sur le monde. Et il y a eu des gens qui sont venus au Québec qui ont été très importants. Je pense à un monsieur, Naïm Katan, hein, qui est né à Bagdad. Il a étudié le droit à l'Université de Bagdad. Et en plus, et après, il a décidé de changer complètement de vocation et est allé étudier à la Sorbonne en littérature. Il a migré au Québec en 1954. Alors, ce monsieur-là est d'origine juive et il a senti très rapidement en Irak, où il est né, les conflits entre les Juifs, les catholiques et toutes les communautés, là, si on veut, qui s'affrontent puis qui continuent de s'affronter dans le Proche et dans le Moyen-Orient. Il a senti ça et il se sentait même menacé dans sa pensée et dans son entité. Alors, c'est pour ça qu'il a commencé par migrer en France et après ça, pour s'installer au Québec. Il est devenu très rapidement quelqu'un de connu au Québec. Il a été chroniqueur, journaliste, il a dirigé pendant une trentaine d'années le Conseil des arts du Canada, la section francophone. Alors, c'est quelqu'un de vraiment important qui s'est impliqué énormément et qui s'implique encore. Il est membre de la, je dirais, de l'Académie des lettres, où je pense qu'il est encore sur le conseil d'administration. Alors, c'est un monsieur qui s'est installé ici, qui a écrit, mais sa littérature ne parle pas pratiquement de la vie au Québec ou au Canada. Il est très préoccupé par des questions identitaires, des questions d'origine. Alors, pratiquement, il a écrit beaucoup et tous ses livres reviennent toujours sur son enfance, la présence de son monde d'enfance. Alors, pendant une trentaine d'années, là, écrire sur les racines et tout ça, et sans véritablement régler ça, il faut le faire. Mais ça reste une quête d'identité qui a des échos dans notre société québécoise, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains aussi au Québec qui se questionnent sur notre identité, qui nous sommes et où nous allons. Bien, il y a des mouvements politiques que vous connaissez qui se posent la même question. Alors, c'est quelqu'un qui a été quand même intéressant, mais vous voyez, sa thématique ou son univers est resté son milieu d'enfance. Ce qui n'est pas étonnant. Vous allez prendre, Anne Hébert a vécu pratiquement toute sa vie en France, et elle a, sauf une exception, écrit tout le temps sur le Québec, son univers, son monde d'origine, son monde d'enfant. Vous avez Jacques Poulain aussi, qui était quelqu'un qui a vécu extrêmement longtemps en France, et il a toujours situé ses histoires au Québec, et particulièrement dans la ville de Québec, et particulièrement dans un quartier de la ville de Québec. Bien sûr, il y a quelques exceptions comme Volkswagen Blues, dont je vous ai parlé, où on part à la conquête de l'Amérique. Il y a la tournée d'automne où on se promène un peu beaucoup sur la côte nord, mais son point d'ancrage, là, c'est vraiment un quartier de Québec. Et il a toujours écrit là-dessus, même quand il était en France. C'est comme James Joyce. Et voilà.
Il a presque pas vécu en Irlande, mais il a écrit sur l'Irlande toute sa vie avec tous ses déménagements. Alors, c'est intéressant, et ce qu'il y a de particulier, c'est que Naïm Catan a eu une famille, il y a un fils maintenant qui est en train de se distinguer en littérature, alors Emmanuel Catan, qui écrit des romans aussi comme son père. Alors, la transmission s'est faite de ce côté-là. Vous avez aussi, alors, vous voyez la présence de quelqu'un qui vient de l'Irak. Vous avez aussi une présence très, très forte de gens qui sont venus d'Haïti. Haïti n'est pas juste Daniela Ferrière hein, qui est arrivé d'Haïti. Par exemple, il y a quelqu'un qui a passé sa vie à Montréal, qui s'appelle Émile Olivier, qui a été quelqu'un de très important, un très bon écrivain, alors qui a remporté beaucoup de prix, qui a été publié en Europe et tout ça. Alors, il est arrivé ici au Québec en 1965 et il a passé pratiquement toute sa vie ici. Lui aussi a très peu écrit, là, c'est-à-dire de situer les actions de ses livres ou de ses romans au Québec. Il retourne tout le temps dans ses origines avec la présence d'Haïti, les forces obscures qui s'opposent, c'est-à-dire les régimes totalitaires avec la répression, la lutte pour la liberté et tout ça. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement présent dans son univers. Bien sûr, je ne peux pas passer à côté de Dany Laferrière. Hein? Ben oui. Il est arrivé au Québec en 1976, Dany. Puis on l'a su tout de suite qu'il est arrivé. Alors, Dany Laferrière était quand même quelqu'un d'intéressant parce que son père était quelqu'un qui était impliqué politiquement et qui a dû partir en exil rapidement pour se sauver au Québec d'abord, et après ça, il est allé s'installer à New York. Alors, le jeune Dany Laferrière a commencé à travailler comme journaliste en Haïti. Et bon, il essayait de défendre certains principes de liberté et d'égalité, si on veut, mais avec les tontons Macoutes, c'était peut-être un peu difficile de faire ce genre de travail journalistique. Et il est arrivé à un moment donné, juste un petit peu avant 1976, il y avait un copain avec qui il travaillait dans un journal qui a été assassiné par possiblement le régime Duvalier. Alors, il a compris très rapidement qu'il était certainement un des prochains sur la liste et c'est là qu'il a décidé de migrer au Québec. Alors, ben, on connaît toute l'histoire hein, de Dany Laferrière, comment il s'est installé au Québec, comment il est devenu présent. Maintenant, il fait partie de l'Académie française comme écrivain québécois quand même. Alors, il occupe le siège numéro 2 et j'ai appris que c'était le siège qui était occupé par Montesquieu à l'origine. Alexandre Dumas-fils a occupé ce siège-là. Et le dernier à l'avoir laissé vacant, il se nomme M. Hector Biancotti. Alors, c'est quand même des grands noms. Ça doit être quelque chose de s'asseoir dans une chaise comme ça, de dire « je suis dans le fauteuil de Montesquieu ». C'est quand même pas mal, hein, Robert? On détesterait pas ça. Alors, Dany Laferrière, bien sûr, a été quelqu'un de très visible. Il a commencé sa carrière ici. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais il était Monsieur Météo dans un poste qui est disparu, je pense, maintenant. Là. Il donnait les pronostics de météo dans des conditions assez effrayantes. Il parlait de n'importe quoi, sauf de la météo, en fait. Alors, il faisait son spectacle et il a fait une entrée fracassante dans la littérature avec un titre qu'on ne pouvait pas rater, hein? « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer? » C'était déjà extrêmement provocateur. Mettre le mot « nègre » dans un titre, là, c'était quelque chose de provocateur. Et c'est celui qui l'a fait là, vraiment, qui l'a défendu et qui l'a mis au monde dans un sens, c'est Pierre Foglia. Un autre immigrant. Le premier qui en a parlé très favorablement dans les journaux, c'était Pierre Foglia. Alors, c'est particulier pour ça. Alors, Dany Laferrière est un auteur intéressant. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a des livres qui sont super intéressants et d'autres un peu moins bons. Il fait une carrière assez exceptionnelle. Il est particulier aussi, c'est qu'il a entrepris à un moment donné, parce qu'après 10 romans, il a décidé qu'il prenait comme sa retraite. Et puis, il est revenu un peu plus tard en disant, « Bien, je ne suis pas satisfait de mes livres, je vais les réécrire. »
Et il a recommencé à retravailler ses textes là, les uns après les autres. Il a fait des incursions du côté du cinéma, puis je vous avoue que c'est pas très fort. Je ne sais pas si vous avez vu le film Dans le Sud, là, où il raconte un peu l'histoire des bonnes blanches québécoises qui s'en vont dans le Sud pour rencontrer les nègres, pour s'envoyer en l'air et tout ça. C'est mal joué, c'est pas bon, c'est vraiment raté comme histoire de cinéma. Alors, il y a des très bons livres. Dany Laferrière est à son meilleur quand il parle de ses origines. Quand il raconte ses histoires avec sa grand-mère, sa mère. Alors, Le cri des oiseaux fous, par exemple, est un magnifique livre que je vous conseille à lire. Il y a eu de nombreux prix avec tout ça. Le charme des après-midi sans fin, c'est un très beau livre. Alors, il y a eu aussi un témoignage là, qu'il a fait sur le fameux tremblement de terre en Haïti. Alors, c'est un livre vraiment, vraiment intéressant pour ça. Alors, c'est quelqu'un qui a marqué, je dirais, la littérature québécoise par sa présence, par son animation, par tout ce qu'il peut inventer, par sa présence médiatique, parce que c'est quelqu'un qui a le sens du spectacle là, extrêmement développé. Et il a été un modèle pour beaucoup d'écrivains haïtiens qui sont venus ici. Je me souviens que Stanley Péan, que vous connaissez, qui est originaire d'Haïti, mais qui est arrivé ici à Jonquière bébé, a été très longtemps très influencé et très marqué par Dany Laferrière. Alors, c'était comme un modèle important dans ce sens-là. On a eu des gens qui sont venus de l'Amérique du Sud aussi. Vous connaissez sûrement Sergio Coquis. Hein? Sergio Coquis, qui est un personnage assez spécial, un personnage un peu étrange. Il est né au Brésil. Et il a connu une enfance difficile, puis au Brésil, c'est pas non plus un modèle, à cette époque-là, là, dans les années 40, c'est pas un modèle de démocratie, des régimes totalitaires. Et on peut faire des études, on peut faire des choses, mais on ne peut pas surtout contester le régime. Alors, M. Coquet, c'était un peu, je dirais, a fait des études un peu délinquantes, si on veut, à l'époque où il était au Brésil. Et il a été suivi par la police parce que c'était quelqu'un qui était assez révolté et tout ça, et qui a eu la chance d'avoir une bourse à un moment donné pour aller étudier en Europe, et je pense que c'est ça qui l'a vraiment sauvé. Alors, il est allé étudier en Europe, il a étudié la psychologie. Et c'est quelqu'un aussi qui est particulier parce qu'il est fasciné par la peinture. C'est un peintre assez particulier. Alors, après avoir vécu en France, après avoir vécu surtout en Allemagne, il a écrit des très beaux livres aussi qui se déroulent en Allemagne. Il a migré au Québec et il a commencé à travailler comme psychologue à Gaspé. Je me sens que c'est un peu spécial de voir Sergio Coquis, psychologue à Gaspé. Mais il est demeuré là très peu d'années, à peu près un an ou deux ans, et il est venu à Montréal. Et là, il a travaillé dans les hôpitaux comme psychologue. Il a fait un doctorat en psychologie et tout ça. Alors, c'est quelqu'un qui était très, très reconnu dans ce domaine-là. Et en même temps, il faisait des études en art visuel, en peinture. Alors, c'est quelqu'un qui s'est vraiment, vraiment développé de ce côté-là. C'est quelqu'un aussi qui s'est fait remarquer au Québec parce que c'est un provocateur. Et surtout, il a fait des charges assez forte contre tout ce qu'on peut appeler là, maintenant l'art visuel contemporain où les gens font des performances ou des installations. Il s'est prononcé extrêmement vigoureusement contre ça en disant que c'est des imposteurs qui ne savent pas faire, qui ne savent pas dessiner, qui ne savent pas peindre du tout, qui ne connaissent rien aux couleurs. Il n'a peut-être pas complètement tort non plus. Alors, Sergio Coquis, je veux pas provoquer personne, là, mais Sergio Coquis a écrit beaucoup là-dessus, puis d'une façon extrêmement vigoureuse, et il a même fait un roman qui s'appelle « L'art de l'imposture ». Hein? Puis il a écrit l'art du maquillage aussi. Alors, c'est des romans intéressants pour les gens qui s'intéressent à l'art visuel, parce que dans l'art du maquillage, il met en scène des personnages qui sont des faussaires,
qui reproduisent des œuvres de maîtres et qui sont vendues sur le marché noir. Ça, ça existe véritablement. Et ces peintres-là qui copient les maîtres sont souvent d'une extrême habileté. Ça pourrait être de très grands peintres parce qu'ils sont très, très forts techniquement, mais peut-être qu'ils n'ont pas l'imaginaire. Alors, c'est particulier. Alors, il s'est intéressé à ça. Il a fait un roman de ça. Son roman, je pense, qu'il l'a fait connaître, bien sûr, c'est son premier. C'est « Le pavillon des miroirs ». Qui a été publié en 1994. Et il a publié après ça un rythme infernal, un roman par année depuis ce temps-là. Alors, il en a publié 20 en ligne comme ça. Alors, il est. Puis c'est des gros romans, là, des romans extraordinairement volumineux. C'est quelqu'un qui a écrit un peu sur le Québec. Il y a un roman, à ma connaissance, qui se déroule à Montréal, et c'est nettement le moins bon de tous ses livres. Il est intéressant quand, je dirais, il retourne dans les origines, dans ses origines à lui. Le pavillon des miroirs, c'est un petit garçon qui raconte véritablement son enfance, sa vie jusqu'à son adolescence, ses contacts avec ses voisins, ses cousines, sa matante, qui avait des visées sur lui autres que religieuses, si on veut. Alors, il raconte tout ça d'une manière assez spéciale, une éducation du jeune homme, si on veut, au Brésil, alors dans une société qui est peut-être plus libre que la nôtre sur le point de vue des mœurs et tout ça. Alors, c'est extrêmement intéressant à lire. Il a écrit aussi des livres que moi je trouve assez particuliers. Il a fait une trilogie sur les grandes dictatures de l'Amérique du Sud. Alors, il s'est penché, bien sûr, sur les grands dictateurs qu'on a connus au Venezuela, au Brésil et ailleurs. Et bien sûr, en trafiquant un peu les noms de tous ces gens-là, mais il y a plongé véritablement dans cet univers-là pour nous faire comprendre l'esprit des gens qui sont des dictateurs et qui s'imposent à ces gens-là. C'est des illuminés assez particuliers, puis en même temps avec un côté sympathique, parce qu'on ne peut pas être un dictateur si on n'est pas quelqu'un qui est capable de séduire du monde. Alors, Cockis joue véritablement avec ça. Alors, c'est très, très particulier comme univers. Par exemple, il y avait un dictateur en Amérique du Sud qui avait décidé de confier à un astrologue de redessiner la carte du ciel. Parce qu'il disait qu'il subissait l'influence de la carte du ciel du Nord, alors il fallait avoir sa propre carte du ciel avec des noms tout à fait différents. Autrement dit, pourquoi pas refaire le monde autour de moi? Ça peut arriver. On en connaît qui ont pensé des choses comme ça. Alors, c'est très intéressant de voir ça. Et moi, j'ai un livre, je pense que je l'ai apporté ici, Macarius. Ça, j'ai un faible pour ce roman-là. Alors, Macarius est un personnage qui a vécu, je dirais, l'entre-deux-guerres en Allemagne. C'est un mime, un personnage, un mime qui joue dans des cabarets et qui illustre dans son spectacle la danse macabre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la danse macabre, mais pendant tout le Moyen Âge, il y a eu une mode, si on veut, où les peintres faisaient, tous les peintres devaient passer obligatoirement par ce sujet-là qu'on appelait la danse macabre. Alors, grosso modo, c'est mettre l'individu devant la mort et démontrer que tout le monde, face à la mort, est égaux. Il n'y a pas de privilège, même le pape est égal à n'importe qui devant la mort. Alors, c'est un sujet, une sorte de danse devant la mort, une sorte de danse qui révèle, dans le fond, que l'humain, dans toutes ses dimensions, a le même problème, c'est qu'il meurt. Et le clown Macarius, dans son clown, le mime, Macarius, dans son spectacle, essaie d'illustrer ça. Alors, c'est extrêmement intéressant. Il donne un spectacle qui saisit le monde. Et ce qu'il y a de fabuleux aussi, c'est qu'il décrit, Cockis, magnifiquement, l'atmosphère entre les deux guerres. Avant la prise du pouvoir et au début du pouvoir, quand les fascistes sont arrivés en Allemagne, il y a eu une période en Allemagne d'une liberté extraordinaire.
où les gens s'adonnaient à toutes sortes de folies, à toutes sortes d'extravagances dans les spectacles. Il y avait beaucoup de spectacles de striptease partout. Et la présence aussi de beaucoup de réfugiés russes qui avaient fui la Révolution russe, qui étaient en Allemagne. Et qui n'étaient pas tellement aimés des Allemands. Alors, ça donne une ambiance assez particulière de ce monde-là, qui est très peu connu, dans le fond, une espèce de liberté. Et on a eu des créateurs extraordinaires qui sont sortis de cette période-là. Alors, M. Kokis en parle très, très bien. Et si ça vous intéresse, son dernier livre sort complètement de cet univers-là. Je dirais que M. Kokis est redevenu humain comme c'est pas possible. Il a fait le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, le sortilège des chemins que vous avez ici raconte plusieurs voyages qu'il a fait à pied avec sa compagne. Et puis, il redécouvre le monde, je dirais, à travers la marche à pied, à travers les paysages qu'il a fait. Il a marché énormément, je dirais, Compostelle, presque dans tous les sens, parce qu'il est allé plusieurs années de suite. Alors, c'est un roman, c'est un récit qui est tout à fait différent du Kokis qu'on connaît. Un Kokis qui est plus sympathique, plus ouvert aux autres, qui écoute les gens, qui en parle, alors, et qui redécouvre aussi la peinture et l'art du paysage, ce qu'il n'avait jamais fait. Parce que vous voyez dans ses livres, comme ça, là, vous avez un tableau typique de Kokis. Moi, personnellement, j'aurais de la misère à vivre avec ça dans la maison chez moi. Hein? Et il a toujours fait ce genre de tableau-là. Alors, il s'intéresse. La danse macabre, pour lui, c'est là, c'est le catalyseur, c'est le révélateur, de la nature humaine. Et ces personnages sont toujours dans une sorte, je dirais, d'univers d'angoisse, où ils sont décrépits, squelettiques, tout près de la mort ou quelque chose comme ça. Alors, un peintre qui passe son temps à faire ça, c'est quelque chose et pas étonnant qu'il ne soit pas couru dans ses expositions. Il y a un très beau roman aussi qui s'appelle « America », où il raconte l'histoire d'un groupe de Lettoniens qui, pour fuir la Révolution russe, suivent un pasteur qui décide d'aller au paradis terrestre, qui est l'Amérique. Vous savez, le mythe là, européen de dire « Ah, l'Amérique, c'est le paradis ». Alors, il y a un groupe, pratiquement tout un village de Lettonie qui, sous les incitations d'un pasteur, décide de s'embarquer sans trop savoir où ils vont aller. Et ils se retrouvent au Brésil, dans une jungle épouvantable, dans des marécages, et la plupart de ces gens-là vont crever tout simplement de maladie. Et c'est basé sur des faits historiques, cette histoire-là. Alors, c'est pathétique, c'est fou, c'est démesuré, mais c'est quand même la manipulation aussi, on voit, d'un espèce de rêveur, pasteur rêveur, qui rêve de recommencer le monde avec tout ce qu'on peut imaginer et qui se retrouve dans une situation matérielle épouvantable. Alors, c'est quelque chose. C'est quelque chose à lire, c'est quelque chose de passionnant. Il a écrit aussi des romans, je dirais, très tendres. Hein? Les Amants de l'Alfama, c'est un magnifique livre. La gare aussi, c'est un livre étrange, un peu bizarre, qui fait penser à Camus, mais qui est très intéressant. Il y a Négao et Doralis aussi, c'est pratiquement Roméo et Juliette repris à la manière de Kokis au Portugal. Alors, c'est des très beaux livres. Alors, c'est un écrivain qui a été très prolifique, qui a gagné des prix, mais qui est intéressant, qui a des choses à dire, qui prend position aussi et qui bouscule des choses assez particulières. Je me souviens, entre autres, il était passé à un moment donné à Tout le monde en parle. Et provocateur comme Sergio Kokis, il faut le faire. Alors, la première chose qu'il a dit à Guillaume Lepage, c'est que les immigrants parlaient mieux français que les Québécois. Alors, ça a été un tollé de protestation. Et tout le monde rêve de passer à, les écrivains de passer à Tout le monde en parle, parce qu'il semblerait-il que ça fait monter les ventes d'une façon vertigineuse. Et M. Kokis, ça a été le contraire. Ça a baissé d'une façon vertigineuse. Alors, il y a une écrivaine aussi qui est moins connue que M. Kokis, Mme Abla Faroud. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est née au Liban.
et elle a migré au Canada, au Québec, en 1951. C'était une comédienne, elle a fait du théâtre, elle a écrit aussi. Elle est retournée dans son pays pour voir ce que ça faisait de retourner sur ses traces, mais ça n'a pas été une expérience qui a été très concluante de retourner au Liban. Alors, elle a fait un détour par la France et elle est revenue ici, au Québec. Elle a écrit un roman que je vous conseille de lire sur la situation des migrants, c'est « Le bonheur a la queue glissante ». C'est un drôle de titre, je le concède, mais c'est un livre magnifique qui nous fait suivre la famille d'Abla Faroud qui part du Liban, qui parle l'arabe à ce moment-là, qui s'en viennent ici et qui s'installent au Québec, puis toute la famille, puis là, on passe dans le temps. Et puis, on prend connaissance aussi du père de la petite Abla qui est d'une violence assez phénoménale envers sa femme et tout le monde, et qui, en arrivant au Québec, est obligé de se remettre en question parce que frapper sa femme à coups de pied quand elle est enceinte, là, c'est quand même assez mal vu au Québec. On tolère pas ça. Alors, c'est toute l'adaptation de cette famille-là ici, et ça devient, je dirais, extrêmement touchant à la fin parce que Doumia, c'est la grand-mère, en fait, la mère qui raconte l'histoire, en arrive à la fin où elle rencontre ses petits-enfants mais qui ne se comprennent plus. Ils ne parlent pas la même langue. Alors, Doumia a vécu la situation des femmes, je dirais, du Liban de l'époque, c'est qu'elle est restée à la maison, puis elle n'est jamais sortie, puis elle n'a pas eu de contact avec les Québécois qui parlent français, donc elle n'a jamais appris la langue française. Mais les petits-enfants, les enfants qui se sont mariés à des Québécois, des Québécoises, eux, bien, ils ont appris le français, les petits-enfants sont allés à l'école, ils ne parlent que le français. Alors, elle rencontre ses petits-enfants, mais ils ne se comprennent pas. C'est quand même émouvant, c'est quand même tragique de voir qu'il y a eu des savoirs comme ça qui se perdent dans la migration. C'est dommage parce qu'il me semble qu'on aurait dû se faire un devoir de partager ou d'apprendre les langues, de garder, de travailler avec ces langues d'origine-là, mais malheureusement, ben, ça peut se perdre en cours de route. Alors, « Le bonheur à la queue glissante », c'est un livre à lire sur la situation des migrants qui est très, très bon, très, très simple aussi, d'une manière... C'est décrit d'une façon tellement simple qu'on ne peut pas faire autrement que d'embarquer dans ce livre-là. Il y en a qui viennent de loin. Yin Shen. Yin Shen. Elle vient de Chine. Elle est née à Shanghai en 1961. Elle a fait des études linguistiques de français et d'anglais dans son pays d'origine et elle a migré. Elle a migré au Québec et elle est venue étudier à l'Université McGill. Elle s'est installée au Québec. Alors, elle avait fait des études en Chine d'italien, d'anglais et de français. C'était une polyglotte au départ. Et elle parle plusieurs langues. Alors, elle a eu la chance, en arrivant à McGill, d'étudier avec un écrivain et un professeur qui est reconnu, qui est Yvon Rivard, qui est un très bon coach, là, si on veut, pour les jeunes écrivains. Elle a publié en 1995 « L'ingratitude », qui est devenu un succès tout de suite. C'est un roman extrêmement dur, je dirais, sur la maternité. L'auteur, dans ce roman-là, s'en prend à sa mère d'une façon assez épique, une mère qui est une dictature, une mère qui contrôle tout, une mère qui veut tout contrôler dans la vie de ses enfants, mais en même temps, il faut le voir aussi comme une allégorie. Elle a quitté la Chine communiste. Alors, la mère, c'est aussi la Chine. Alors, qui s'impose, qui dirige d'une façon assez impitoyable les citoyens, qui décide encore jusqu'à maintenant combien d'enfants on va avoir dans les familles. Alors, tout était contrôlé en Chine dans ces familles-là. Alors, elle a fait une allégorie dans une famille, mais en même temps, on peut penser que, hein, il y a une allégorie avec le pays, la Chine, le système de dictature. Alors,
Elle a écrit plusieurs romans qui sont assez étranges et où elle s'inspire beaucoup des légendes chinoises qui ne sont pas tellement familières à nous, alors où il y a des morts qui se promènent avec les vivants, puis c'est tout à fait normal. Remarque que Garcia Marquez a fait la même chose dans l'Amérique du Sud, puis on faisait la même chose il n'y a pas si longtemps au Québec, par exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez les moments où le 1er novembre, c'était la fête des morts au Québec. Et moi, quand j'étais tout petit, on s'amusait à faire peur à tout le monde parce qu'on disait que les morts revenaient le 1er novembre pour nous demander si on avait vraiment respecté leur volonté. Les morts étaient assez dictateurs à cette époque-là. Alors, surtout si vous aviez eu le bonheur ou le malheur d'avoir hérité la ferme familiale, semblerait-il que le mort ou le grand-père qui était décédé revenait pour voir et visiter si tout allait comme c'était lui, comme il l'avait prévu. Alors, le truc, c'était de faire peur aux gens, c'était de se costumer. Ce qu'on appelait un peu, ce qui est peut-être devenu, je ne sais pas, l'Halloween maintenant, et c'était d'aller faire des trucs comme ça pour faire peur aux voisins en faisant croire que les morts étaient revenus, tout ça. Alors, toute l'écriture de Yin Shen, c'est un gros questionnement sur la maternité, entre autres. Il y a des enfants qui arrivent comme ça dans ses romans, qu'on trouve sur le bord de la porte, qu'on prend parce qu'il est là, puis on l'élève comme on peut, puis après ça, il peut partir. Alors, c'est la maternité, là, c'est vraiment le centre de cette écrivaine-là qui est très particulière. Elle a écrit un livre qui s'intitule « 4000 marches » en 2004, qui est extrêmement touchant. C'est un peu un genre de récit où elle raconte son retour en Chine. Parce qu'elle est devenue populaire ici, elle était assez reconnue, elle a gagné des prix. Et c'est une écrivaine qu'on a suivie. Il y a quelqu'un qui avait décidé de faire un documentaire avec elle, de retourner en Chine sur les lieux de sa naissance et de retrouver ses parents, dans un sens, parce qu'elle n'avait jamais revu ses parents depuis ce temps-là. Et elle a écrit à partir de ça, c'est dérangeant et troublant de lire cette écriture-là. Elle raconte comment elle retrouve sa mère et son père, mais avec une froideur, extraordinaire, aucune émotion, rien ne sort, rien ne transparaît, c'est comme si elle rencontrait des étrangers qu'elle ne connaît pas plus que ça, puis elle n'est même pas intéressée à parler avec ses parents. Alors, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de dérangeant, mais qui explique peut-être pourquoi elle se questionne tant sur la famille et les questions familiales et de parenté. Alors, c'est un écrivain qui n'est pas facile, là. Sauf dans les premiers livres, là, l'ingratitude, là, ça se lit facilement, mais dans les derniers, je vous avoue que c'est pas facile à lire. C'est un peu étrange et particulier. Ah, bien, il y en a une que vous connaissez très bien, Kim Thuy. Ben oui. Alors, hein, née en 1968 à Saïgon, Vietnam. Bien sûr, alors, on connaît toute l'histoire de Kim Thuy. Je pense qu'elle a été racontée en long et en large. Bon, elle est partie du Vietnam avec les Boat People, puis elle s'est retrouvée après toutes sortes de périples ou de parcours au Québec. Ce qu'on sait moins, par exemple, c'est qu'elle a fait des études de linguistique et de droit. Vous ne saviez pas ça. Moi, Kim Thuy était avocate à l'Université du Québec à Montréal. Alors, son premier roman, Rue, a été un grand succès, un énorme succès. Dans le fond, elle raconte sa migration dans ce livre-là, comment elle a quitté un monde particulier du Vietnam, parce que sa famille au Vietnam n'était pas une famille de paysans là, qui cultivaient le riz dans les rizières. C'était loin de là, parce qu'elle était quand même dans une famille extrêmement à l'aise avec des parents... Bon, qui était dans la haute fonction publique du gouvernement, et tout ça, et ses migrations. Et ce qui est intéressant dans Kim Thuy, bien sûr, les origines sont là, mais elle nous raconte véritablement le parcours qu'elle fait pour s'installer au Québec, un peu comme Abla Faroud fait dans son roman. Alors,
elle ne reste pas collée sur les origines, si on veut, ou comme Naïm Catan a fait, il est resté très collé sur les origines. Même Dany Laferrière, il est ambivalent par rapport au Québec, par rapport à ses origines. Mais elle suit véritablement son parcours. C'est vrai que quand tu migres à 8 ans, ben, tu as peut-être plus de chances de prendre ce qui arrive là. Et son deuxième roman, Ma, c'est quelque chose qui se déroule à Montréal. C'est sûr que c'est des personnages d'origine vietnamienne, encore une fois, qui sont dans l'histoire, mais ça se déroule à Montréal. Donc, elle est vraiment installée et elle a poussé, je dirais, des racines ici au Québec d'une façon particulière. Si vous aimez les correspondances, elle a écrit un livre très intéressant entre une correspondance par Internet, là, d'une façon... qui se fait très rapidement avec un écrivain qui vit en Palestine. Alors, c'est tout à fait particulier. On connaît la situation de la Palestine avec les agressions, les bombardements et tout ce qui se passe avec Israël. Là, puis l'écrivain en question qui se nomme, j'essaie de retrouver son nom. En tout cas, peu importe, nous raconte exactement ce qu'il peut vivre, tous les contrôles, comment c'est compliqué de se déplacer d'une partie de la ville. Et puis, Kim Thuy lui répond avec un petit peu ce qu'elle a vécu dans sa réalité. Alors, c'est un très beau livre à lire. Ça s'intitule « À toi ». À toi. C'est simple comme titre. Mais vous voyez, Kim Thuy a toujours des choses très, très simples. Et son écriture, il n'y a rien de compliqué. C'est toujours très, très simple. Mais c'est très évocateur. C'est très particulier. Et c'est une fille qui a connu un succès de, je dirais, après tout. Elle a passé à Tout le monde en parle. Et elle est devenue célèbre tout de suite. Et après ça, elle a été en demande partout dans toutes les émissions de radio et de télévision. Elle a même, je pense, des émissions de cuisine, elle fait toutes sortes de choses. Ce qui est vrai, parce qu'elle a eu un restaurant à Montréal. Bon, j'en avais d'autres qui sont venus aussi de pays socialistes et même communistes. Je pense à Félicia Mihály. Alors, Félicia Mihály est née à Bucarest, en Roumanie. Elle a migré au Canada en 2000. Alors, dans son pays, la Roumanie était encore, jusqu'à très récemment, sous la botte du pire dictateur communiste qu'on n'a pas connu dans ces pays-là, Ceausescu. Et elle était journaliste et romancière à ce moment-là, puis elle a décidé de migrer parce que c'était à peu près impossible de vivre et de s'épanouir sous un régime semblable. Elle a, je dirais, connu un succès assez grand avec son premier livre, avec un beau titre, « Le pays du fromage ». Alors, ça raconte une histoire assez sommaire. C'est l'histoire d'une femme qui est avec son enfant, bon, puis qui subit la trahison de son mari et qui, bien sûr, connaît un choc amoureux et un choc dans sa vie. Et elle décide de retourner dans le village de ses parents parce que ses parents viennent de décéder pour s'installer dans la maison dans l'espoir de vivre la solidarité familiale et tout ça. Sauf qu'elle s'installe dans cette maison-là et sauf que la vie du village est complètement défaite, désintégrée. Et là, on a une image des ravages que le régime communiste a pu faire dans ce pays-là, parce qu'il a détruit à peu près toute la structure économique là, du pays, où tout le monde crève de faim et personne ne s'entraide. C'est l'abandon total. Alors, la pauvre femme descend vraiment jusque dans le fond du baril avant de refaire surface là-dedans. Alors, c'est un roman dur, c'est un roman particulier, mais si vous voulez vraiment connaître l'univers de la Roumanie sous la dictature de Ceausescu, vous devez lire Dina. Dina, c'est le personnage d'une femme, d'une jeune femme, qui doit travailler comme tout le monde pour gagner sa vie, sauf qu'elle doit traverser un pont à chaque fois pour aller travailler dans une espèce d'endroit où elle travaille comme secrétaire. Et en traversant le pont, il y a toujours la frontière et la police est là, l'armée, qui surveille, qui vérifie. Puis cette pauvre Dina tombe dans l'œil d'un des patrouilleurs
qui va la surveiller, qui va la harceler, qui va finir par l'épouser, mais c'est la dictature, là, véritablement. Il va pratiquement détruire cette femme-là. Alors, c'est une allégorie, encore une fois, qu'on met dans la vie familiale, une histoire d'un pays, d'une dictature qui détruit, dans le fond, tout le pays. Puis, dans plusieurs de ses livres, Félicien Mialy démontre vraiment, raconte comment ce régime communiste-là, qui était fait véritablement sur l'espèce de promotion de soi du dictateur tout le temps, a complètement défait un pays et il l'a réduit, il l'a fait reculer à l'époque du Moyen Âge et même avant. Là. C'est un pays que quand il y a eu la révolte et que Ceausescu a été renversé et qu'on a fait un procès en deux jours et qui a été exécuté tout de suite, là, on n'a pas perdu de temps. Alors, c'est un pays qui était littéralement en ruine à ce moment-là et qui, là, a bien de la difficulté à se retrouver. Alors, Félicien Mialy est venu ici, a essayé de travailler un petit peu, elle l'enseigne, elle écrit, et elle est retournée en Roumanie récemment, là, puis là, ses livres commencent à être traduits en Roumanie et lus par les gens de son pays, alors c'est quelque chose qu'elle aime particulièrement bien. Alors, ma conscience, Daniel, m'a rappelé que je devrais vous dire que Sergio Coquis, pour pas que vous soyez déçus si vous embarquez dans ses romans, c'est qu'il est très macho dans ses romans. Extrêmement macho. Le personnage des femmes est souvent réduit au rôle de prostituée. Alors, c'est fait. Oh, je vais pouvoir rentrer à la maison avec Daniel. Vous voyez, je pense que je vais couper un petit peu court à la présentation des écrivains qui viennent d'ailleurs, parce que je voudrais parler de nos migrants à nous aussi. Alors, j'aurais pu m'attarder un grand bout de temps sur Daniel Castillo Durante, qui est un écrivain qui est originaire de l'Argentine. Katia Belhodja, je le prononce très mal, mais elle est née en Algérie. Oui, elle a écrit un super beau roman qui s'appelle « La peau des doigts » chez XYZ éditeur. C'est à lire, c'est un petit roman magnifique. Il y a une fille originaire de Géorgie, la Russie en fait, Géorgie, Elena Botchorichvili, qui a inventé un style assez particulier, c'est qu'elle dit qu'elle fait des romans sténographiques. C'est des tout petit roman de 50, 60, 70 pages, mais magnifique. C'est quelqu'un de particulier, c'est qu'elle a commencé à travailler en Russie comme journaliste sportif à l'âge de 13 ans. Et elle a été la première à parler du baseball en Union soviétique. Je ne sais pas si on peut se vanter de ça, mais... ouais. Et Mme Botchorichvili, c'est intéressant parce que tous ses romans, en général, se situent en Géorgie, mais le dernier, qui s'intitule « Seulement attendre et regarder », très mauvais titre en passant, raconte l'histoire de migrants qui se sont installés à Montréal. Il y a un monsieur qui se nomme Richard Dubé, qui accueille des immigrants ou des réfugiés, si on veut, dans sa maison. Puis petit à petit, il est comme expulsé de sa propre maison parce que les réfugiés prennent toute la place. Je ne sais pas s'il y a un message politique là, mais je pourrais vous parler aussi de Edem Awe, qui est originaire du Togo et qui a migré ici, qui a écrit de très beaux livres. David Bouchet, dont je vous ai parlé, là, Soleil, qui arrive du Sénégal. Bon, Dominique Blondeau, qui arrive du Maroc. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup comme ça qui nous viennent d'ailleurs et qui se sont, je dirais, vraiment insérés dans la littérature québécoise et qui nous ont apporté beaucoup de choses. Nous avons eu nos réfugiés aussi dans la région, si on veut. Alors, il y en a plusieurs qui sont venus, qui sont installés ici et qui ont fait leur marque dans plusieurs domaines. Alors, j'ai parlé de Stanley Péan, tantôt, qui est né en Haïti. Il n'y a pas pratiquement de souvenirs, je dirais, d'Haïti, parce qu'il est arrivé ici trop jeune. Son père était un enseignant au Collège de Jonquière.
Alors, malgré même... Au secondaire, excusez-moi. Ouais. Oui. À polyvalent. Bon. Il semblerait qu'il était très spécial parce que quand Stanley nous raconte, parce que Stanley a étudié dans la classe de son père et que son père l'apostropherait en disant « Péant! Espèce de con! » Alors, c'était très particulier. Alors, Stanley, bien sûr, Stanley, québécois, vraiment québécois, avec la langue québécoise et tout ça, mais il est fasciné par son pays d'origine. Vous allez trouver ça souvent dans ses écrits, particulièrement le vaudou. C'est particulier et c'est quelqu'un qui est fasciné aussi par les romans, les thrillers, les policiers, ce genre de romans-là. Donc, dans ses romans, ça va transpirer cette espèce de culture-là. Moi, personnellement, Stanley, je le préfère dans les nouvelles. Vous avez comme le cabinet du docteur K, c'est une série de nouvelles, c'est là où il est vraiment le plus fort et le plus percutant. Si vous avez à lire Stanley, allez jouer de ce côté-là. Vous avez Elisabeth von Arbour, bien sûr. Hein? Elle est née en France, elle a migré au Canada et s'est installée à Chicoutimi. Et elle est ici depuis fort longtemps. Puis elle a réussi à faire une carrière assez admirable, je dirais, une carrière internationale à partir de Chicoutimi. Il faut le faire et elle a développé un créneau tout à fait particulier qui est la science-fiction. Alors... c'est une fille qui n'a pas peur de voyager, de s'inventer des mondes et des planètes et des choses incroyables. Moi, je vous conseille de lire « Chronique du pays des mers ». C'est peut-être son roman de science-fiction le plus abordable et ce qu'il y a de vraiment intéressant, elle nous plonge dans une société où c'est le féminin qui l'emporte sur le masculin. Parce que dans la langue, ici, c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin. Mais dans son monde, à elle, c'est le féminin qui l'emporte sur le masculin. Alors, imaginez les difficultés d'écriture et toutes les transformations que ça demande dans le langage. Alors, juste pour ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est un monde, bien, le chronique du pays des mères aussi, où la présence de la femme est extrêmement importante. Ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'Élisabeth, au début, moi, je l'ai connue, elle commençait sa carrière et elle était auteur, compositeur, interprète. Elle chantait en s'accompagnant à la guitare. Alors, disons qu'elle n'a pas fait une grande carrière, ça s'est arrêté à quelques spectacles ici, mais elle a quand même commencé ça et elle avait une voix grave assez intéressante à entendre. Elle travaille beaucoup aussi comme traductrice. C'est sa principale occupation à part l'écriture, alors elle fait des traductions. Et entre autres, c'est assez intéressant parce qu'elle a collaboré à traduire la biographie de Jack Kerouac, qu'un certain Nicosia avait commencé à traduire, mais comme il est mort, parce que Nicosia s'était tellement identifié à son idole Jack Kerouac, c'est qu'il est mort d'une cirrhose du foie comme Jack Kerouac. Alors, le livre est resté en plan et c'est Élisabeth qui l'a rendu dans ses grosseurs, comme dirait Victor Lévy-Beaulieu. Alors, pour le prochain, je vais faire comme si je ne le connaissais pas. D'accord. Du tout. Comme si c'était un étranger. Alors, vous connaissez un certain Robert Dole. Hein? Personne ne le... Alors, je dirais, Robert Dole a vécu plusieurs vies et plusieurs renaissances, si on veut. Et il a écrit des livres, moi, que je trouve particulièrement touchants. Né aux États-Unis, dans une famille puritaine, dans un milieu très puritain, avec toutes les limites et toutes les difficultés que ça peut représenter et toutes les embûches, si on veut aussi, que ça peut représenter. Et le salut pour Robert a été ailleurs. C'était de migrer, d'abord, pour aller vivre en Europe. Et puis, il a vécu en Allemagne, en Pologne, il est allé dans plusieurs pays, d'où sa grande polyvalence de langue. Alors, Robert Dole, d'après ce que j'ai su, vit dans une semaine dans 7 ou 8 pays en même temps, parce qu'il y a une journée pour parler polonais, une autre pour... Alors, c'est quelqu'un qui... C'est, je dirais, c'est les Nations Unies à Chicoutimi. Alors, Robert Dole a écrit un livre que je vous conseille particulièrement,
particulièrement, c'est comment réussir sa schizophrénie. Ah, voilà ici. C'est un livre, en tout cas, c'est d'abord, écoutez, avec un titre pareil, il faut le faire. Puis c'est un livre qui demande un courage extraordinaire à écrire. Parce que Robert Dole le fait dans ce livre-là, ce que peu de personnes ont le courage de faire, c'est de raconter son histoire à lui. C'est des problèmes où il a été interné, et comment il s'en est sorti courageusement, les rencontres aussi, les gens qu'il a rencontrés, les gens qui l'ont marqué, qui l'ont influencé. Et il dit tout, là. Il met tout sur la table, ou à peu près. Et c'est quelque chose. C'est un témoignage exceptionnel. C'est un livre d'un grand courage. Alors, je vous le conseille. Ça se lit très, très bien. C'est tout simple. C'est écrit dans un français très facile à comprendre. Et ça nous plonge dans cette difficulté-là de quelqu'un qui est marginalisé pour toutes sortes de choses, dont son orientation sexuelle. Alors, ça nous brasse le camarade et ça nous fait voir aussi, je dirais, un aspect des États-Unis qui est pas très glorieux. Et il a repris véritablement ça dans le cauchemar américain. Le puritanisme, comment ça marque les États-Unis, la religion straight, la religion qui s'impose. Et si vous voulez avoir un portrait des États-Unis de maintenant, ben les deux livres de Robert Dole, là, ça vous donne les sources de cette, je dirais, ce regard-là sur le monde. Comment on est centré sur une religion avec des principes très, très forts qui fait qu'on est à peu près certain qu'on est le centre du monde. Et que le monde tourne autour de nous, alors c'est particulier. Et on voit des dérives de ça actuellement dans la campagne électorale, là, avec les Républicains. Il se dit des choses-là, moi, que je ne peux pas comprendre tellement c'est épouvantable, le genre avec Trump, là. C'est assez épouvantable. Alors, si vous voulez comprendre vraiment les assises là, des États-Unis, le cauchemar américain et comment regarder, comment réussir sa schizophrénie de Robert Dole cette année. On a eu aussi beaucoup d'autres personnes qui sont venues et qui ont été marquantes. Je pense à Jean-Pierre Vidal. Jean-Pierre Vidal, qui est un Français qui a migré au Québec et qui s'est installé à Chicoutimi pour enseigner à l'Université du Québec à Chicoutimi en littérature, qui est un professeur qui a marqué des générations d'étudiants et plusieurs écrivains, entre autres Hervé Bouchard, qui a été son étudiant. Alors, c'est quelqu'un qui a été très important. Il est arrivé à l'écriture un peu tardivement, je dirais, après sa carrière de professeur à l'université. Et il s'est développé une spécialité qui est la nouvelle. Il n'est pas toujours facile d'accès, Jean-Pierre Vidal, mais il faut comprendre une chose, c'est quelqu'un qui a un regard extrêmement aiguisé sur la société et qui est extrêmement doué pour déceler nos travers et toutes nos travers et nos façons de faire et de voir le monde, qui est un peu pessimiste par rapport à l'avenir du monde, à l'avenir de la littérature dans notre monde et à l'avenir de la langue française et tout ça. Alors, dans ces nouvelles, ça transpire. Des fois, c'est très drôle. Des fois, c'est un peu questionnant, dérangeant et tout ça. Alors, je vous conseille de lire « Le chat qui avait mordu Sigmund Freud ». C'est un recueil de nouvelles, là, c'est un de ces très, très bons recueils de nouvelles. Ça a été publié aux éditions de La Grenouillère, si j'ai bonne mémoire. Alors, c'est un nouvel liste qui est très intéressant, qui est très actuel, qui est très mordant, qui est un peu cynique et qui nous décoiffe un peu. C'est difficile dans mon cas, mais il nous décoiffe quand même. vous avez aussi quelqu'un qui était à l'honneur il n'y a pas très longtemps, c'est Michael Lachance. Michael Lachance, qui est un professeur aussi à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est responsable du département, je pense, des arts ou quelque chose comme ça. Des arts et lettres, oui. Alors, lui aussi, c'est quelqu'un qui est difficile, qui n'est pas tout à fait facile d'accès dans ses livres, dans ses romans et tout ça. Mais si vous voulez vraiment lire Michael Lachance, je vous conseille Épisodie.
C'est un récit où Michael passe, je dirais, à travers toutes ses vies, parce que ce diable d'homme-là a vécu toutes sortes de choses. Il est né en France, il a connu des personnages célèbres, dont, comment il s'appelle, dont il y a la pièce de théâtre du théâtre CRI, là, va se... Romain Gary. Romain Gary, alors il l'a rencontré, il l'a croisé, il a rencontré toutes sortes de personnages extrêmement intéressants comme ça. Il a fait une carrière, je dirais, d'artiste peintre, pratiquement. Il est devenu un spécialiste de l'imprimerie des œuvres d'art, puis il a écrit, alors il a vécu toutes sortes de choses comme ça, il a voyagé énormément, il a rencontré plein de monde, et Épisodie nous raconte un peu tout son parcours et toutes ces rencontres-là avec ces personnages-là qui ont marqué leur époque, alors c'est à lire et c'est à découvrir. Je pourrais vous parler d'un poète qui est très peu connu, qui a vécu une grande partie de sa vie à Alma, qui se nomme Maurice Cadet, d'origine haïtienne aussi. Alors, il a publié plusieurs recueils de poésie. Il a enseigné pendant des années et des années à Alma. Et puis, à la retraite, ben, il est retourné en Haïti. Alors, c'est un poète très intéressant et très particulier. Bien sûr, il y a eu les gens qui sont venus de l'extérieur, qui nous ont parlé, qui nous ont raconté des choses. Mais on a beaucoup d'écrivains vraiment originaires de la région et du Québec qui ont parlé de l'extérieur aussi. Et j'ai fait une petite liste, là, vous voyez, Pierre Gobeil, par exemple, qui est un écrivain qui est né tout près de la baie, dans le fameux rang, là, pas loin de la fromagerie Boivin. Je veux pas répandre la rumeur à l'effet que le fromage Boivin contribue à faire naître des écrivains, mais c'est arrivé comme ça. Alors, Pierre Gobeil a écrit un récit à la fois réel et fictif qui se nomme « 100 jours sur le Mékong ». Alors, c'est un voyage en Asie où, vous savez, quand on va sur le Mékong et tout ça, on ne peut pas faire autrement que d'aller un peu sur les traces de Marguerite Duras. Alors, on va pratiquement sur les sites où Marguerite Duras est née et a grandi. Alors, Pierre a écrit un récit qui est quand même assez intéressant sur cette partie du monde. André Girard, j'en ai parlé dans ses romans, Japon, Russie, bientôt la France, bientôt l'Italie. Alors, Daniel Dubé, bien sûr. Alors, l'Espagne, les Bahamas, les États-Unis, la France... Et le Japon bientôt. Voilà. Alors, elle écrit... Danielle a toujours... Comment je dirais ça? Elle n'a pas beaucoup écrit de livres où il n'y a pas l'ailleurs dans ses livres. Et ça fait partie de sa vie et ça fait partie de son concept de vie, je dirais. Mais je ne peux pas trop en parler, je la connais mal. Alors, Alain Gagnon a écrit un livre qui se déroule entièrement aux États-Unis, Sud, dans le secteur d'Atlanta aux États-Unis. Alors, c'est une appropriation du territoire des États-Unis. Une écrivaine qui, malheureusement, se fait très discrète maintenant, qui a écrit des très beaux livres à la fois sur Arvida, parce qu'elle est née Arvida, c'est Hélène Lebeau. Puis elle a parlé beaucoup de la France aussi dans ses livres, alors, et elle vit maintenant en France. Alors, c'est une écrivaine à découvrir. Lise Tremblay, je vous en ai parlé, La pêche blanche, où il y a toute une partie qui se déroule sur la côte ouest des États-Unis. Louis Hamelin, bien sûr, on en a parlé longuement. Bertrand Gervais, j'en ai pas parlé beaucoup, mais c'est un très bon écrivain aussi. Et il y a un livre particulier qui se déroule en Californie. C'est un livre assez exceptionnel. L'éditeur pensait de faire un grand succès avec ça, puis ça n'a pas marché du tout. C'est comment ça s'appelle? Je cherche le nom et je l'ai oublié. En tout cas, je vais essayer de le retrouver. Jacques Poulain, bien sûr, qui a parlé des États-Unis. Francine Noël, le Mexique. Pierre Sanson, qui est un écrivain qui a écrit plusieurs livres qui se déroulent au Brésil. Et ce qui est particulier, c'est qu'il a commencé à écrire sur le Brésil en l'imaginant avant d'y aller vraiment. Et ça fait quelque chose d'assez particulier. Éric Dupont, qui a écrit sur une grande partie de La fiancée américaine qui se déroule en Allemagne et aux États-Unis aussi. Et son prochain livre va être situé au Brésil.
c'est Népéan, Haïti. Gérard Pourcel, qui est un Breton d'origine, qui a migré dans la région et qui a commencé à écrire, il fait aussi des nouvelles. Alors, il y a plusieurs de ces nouvelles qui sont au Québec, bien sûr. La présence de Cuba aussi dans ces nouvelles est très importante. Les États-Unis, le Maroc, la France. Alors, ça nous fait voyager un petit peu partout, si on veut, dans le monde. Alors, en conclusion de ce volet-là, je dirais que la littérature témoigne, je dirais, d'une ouverture sur le monde assez particulier et règle d'une certaine façon tous les problèmes qui nous sont tombés d'en face là, depuis une semaine avec la migration ou l'intégration des gens qui arrivent. Et je suis fasciné de constater qu'au cours des semaines qu'on a passées ensemble, comment l'actualité nous a rattrapés, si on veut, dans nos sujets de rencontres. Vous vous en rappelez, on a passé pratiquement 2 heures à parler de la situation des Amérindiens ou des Indiens dans la littérature avec un portrait qui était assez sombre. Et tout de suite après, ben, l'actualité nous a emmené le problème des femmes en Abitibi qui confirmait tout ce que les écrivains avaient vu. Alors, le problème de la migration, vous voyez, l'intégration, la littérature du Québec en parle. La littérature du Québec l'illustre, comment les gens s'intègrent, comment ils s'intègrent plus ou moins, comment certains passent directement dans notre univers ou dans notre imaginaire. Bien sûr, les racines sont toujours extrêmement fortes. Vous avez ça même chez les écrivains qui vivent au Québec depuis fort longtemps, que les ancêtres sont arrivés en 1600 quelque chose. Victor Lévy-Beaulieu, par exemple, a écrit 80 livres et la plupart se situent à 3 pistoles. Alors, les racines sont extrêmement fortes, très particulières chez les écrivains qui sont nés ici. Et c'est tout à fait normal que les migrants transportent leur univers avec eux, transportent leurs racines, leur imaginaire. Ce serait tout à fait anormal qu'ils ne le fassent pas parce que nous, on le fait dans notre écriture et dans notre conception du monde. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces univers-là peuvent se rencontrer dans la littérature, que ces univers-là se côtoient facilement, que ces écrivains-là sont acceptés particulièrement bien dans la communauté des écrivains. Quand on va à l'Union des écrivains du Québec, l'Association des écrivains, ils sont présents, puis ils interviennent comme tout le monde. Ils sont très bien intégrés, je dirais, par les médias. Certains, des fois, trouvent qu'on les met trop d'avant par rapport aux autres, que c'est peut-être plus facile d'être migrant puis de réussir que des gens qui sont ici. Mais ça, c'est un questionnement qui fait que, je pense, ça n'a pas beaucoup d'importance à la limite. L'important, c'est que ces gens-là écrivent, que ces gens-là soient là et qu'ils nous ouvrent des portes. Les écrivains qui nous sont arrivés de France à partir des années 1800 ou quelque chose qui ont arrivé ici ont fait des ouvertures importantes dans notre univers, ont apporté des aspects. Comme les gens d'ici, je ne sais pas, Danny Laferrière, comment il va transformer ou comment il va peut-être semer des graines pour aller vers autre chose. Des fois, ça se calcule pas dans l'immédiat, mais ça prend des années avant de voir ce que ça peut donner. Vous savez, personne n'aurait juré que Louis Aymon, que Maria Chapdelaine, ça changerait complètement, ça bouleverserait la littérature du Québec. Ça a duré 25-30 ans. Ça va plus vite maintenant, c'est sûr, mais des écrivaines comme Kim Thuy, comme Yin Chen, ça bouscule des affaires, ça apporte des concepts. Et ce qui est intéressant souvent, c'est que ça arrive avec, je dirais, une manière d'écrire qui est différente de la nôtre. Il nous apporte des façons de faire, des façons de transmettre la réalité qui est tout à fait, je dirais, un peu nouvelle pour nous autres. Alors, c'est ça qui est fantastique et qui est extraordinaire, et c'est ça qui fait la richesse de notre littérature.
Alors, naturellement, cette présence de l'étranger, bien, on la vit dans la région aussi. Je dis étranger pas dans le sens qu'il reste des étrangers, mais je parle du mot étranger dans le sens de provenance, d'ailleurs. Je pense pas que Robert Dole est un étranger, loin de là, par rapport à nous, ou que Michael Lachance est un étranger, mais c'est quelqu'un qui provient d'ailleurs et qui nous apporte énormément de richesses et de bagages, je dirais, qui enrichissent notre littérature. Et ces gens-là, Jean-Pierre Vidal a influencé et a poussé notre littérature en enseignant à des jeunes qui voulaient écrire. Vous le savez tous et toutes, vous avez été des enseignants et vous avez été des personnes marquantes pour certains étudiants. Moi, j'ai eu un professeur à Saint-Félicien qui a encouragé ma folie de vouloir devenir écrivain dans une famille, dans un milieu où ça ne se faisait pas, mais il y avait un talent, puis vas-y. Alors, vous avez toutes et tous été très importants pour des étudiants, et souvent, la littérature, bien, ça part d'une rencontre comme ça quand on est jeune. Ça peut être la littérature, ça peut être la musique, mais il y a toujours quelqu'un qui vous rencontre à un moment donné qui peut vous aider énormément et vous aider à aller vers quelque chose que vous entrevoyez, mais que vous n'osez pas dire tout à fait, ou que vous pensez que c'est impossible, mais ça peut se faire parce qu'il y a des gens qui croient à ça. Alors, la littérature permet ce genre de folie-là. Vous savez, moi, j'ai été longtemps dans une famille, je dirais, où mon père était pratiquement analphabète, donc il savait lire les gros titres dans le journal. Mais c'est ma mère qui lui avait appris à lire ça. Parce qu'il était sorti de l'école du village où il avait à peu près rien appris. Et ma mère écrivait, mais écrivait au son. Alors, c'était très particulier. C'est pas pour rien que j'ai fait des romans où c'est écrit au son, parce que c'est le langage de ma mère. Mais il n'y a personne qui pouvait croire que sortir d'une famille comme ça, quelqu'un pouvait rêver de devenir écrivain. Mais c'est l'enseignement. C'est les professeurs que j'ai rencontrés qui m'ont permis de dire, ben c'est peut-être pas si fou que ça. Peut-être que je vais réussir à le faire, puis peut-être que si je commence à écrire en cachette, puis surtout cacher mes cahiers parce que ma mère fouinait partout dans la maison, alors peut-être je vais devenir écrivain. Alors c'était vraiment des messages secrets quand j'avais 13-14 ans. Mais c'est ça, la littérature, là, je suis quasiment en train de vous faire une grande conclusion sur, sur les cours. Je pense qu'on va revenir là-dessus, mais c'est quand même intéressant de voir. Et ce que je vais répéter la semaine prochaine, c'est que la littérature du Québec, puis la littérature du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de parc des Laurentides entre les écrivains puis les livres du Québec. On n'est pas des écrivains réduits à une région. On n'est pas des régionaux, comme il n'y a pas de médecins qui pratiquent une médecine régionale. Ça nous choque un petit peu tout le temps quand on entend ça à la radio puis à la télévision. « Ah, un écrivain régional! » Bien, c'est péjoratif dans mon esprit. Puis là, je pense que je voulais démontrer qu'on est branché sur la littérature du Québec, puis dans certains aspects, on les devance même. Sur certains points de vue, on a apporté des choses. Puis sur le plan théâtral, là, je pense que le Québec ne serait pas pareil si on n'avait pas eu certains écrivains, certains auteurs de la région, comme Michel Marc ou Larry Tremblay, Daniel Danis. C'est des sommités dans tout ça. La semaine prochaine, je vais vous faire un petit peu un brassage là, de ce qu'on a vu. Alors, merci et on se voit la semaine prochaine. Téléco-Gecko, un service exclusif aux clients de Cogeco.